Bonsoir à tous, il est 18h pile, vous êtes sur 01net TV en ce 11 février 2016, c'est parti comme chaque jeudi soir pour le débrief total, complet, archi complet de la semaine et intégrale high-tech. Bienvenue dans ce 01 Live, Jérôme, bonsoir. Salut François, on a bonsoir à tous. Hein, parce qu'on a mis la barre très haute. Ouais. Tu as une très belle veste en velours qui te va très bien. Merci, tu n'es pas mal non plus. Merci. Voilà, tu dis ça parce que ça c'est pour les politesses d'usage. C'est pour ça ? Oui, exactement. Je sais pas ce que tu as prévu, je sens que ça va être bien. Mais j'y serai pas. Surprise. Non, tu bon. Dis ça, je le confirme. Au sommaire ce soir, ladies and gentlemen, nous allons parler de trains. Parce que les trains, c'est notre passion. Oui, c'est vrai. Juste après les avions et le Wi-Fi. Exactement, on adore les trains, le Wi-Fi et les avions. Voilà. Et donc, on parlait du Wi-Fi dans les avions il y a quelques temps. Et bien, on va se pencher maintenant sur la question du Wi-Fi et de la 4G dans les trains. C'est vrai. Elle teste tout le temps, tout dans les transports, Amélie. Elle sera avec nous dans un instant. Justement, pour le Wi-Fi qui arrive et la 4G qui arrive dans les trains, ce sera dans un instant. On va s'intéresser à Facebook, mais pas forcément en bien. Vous savez que Facebook est dans le collimateur, vous ne savez pas, de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que viendra nous expliquer Delphine Sabatier. Et puis, on ira du côté du labo avec ma future télévision, Jérôme. Oui. Il en rêve la nuit. Une télé, mais de rêve à, bon, attention, 10 000 euros. Il faut quand même s'accrocher un petit peu. Mais elle est très belle. Hein. Pour ce prix-là, franchement, vous en avez pour votre argent. Alors, pour les petits budgets comme moi, eh bien, je me rabattrai sur un petit smartphone, tout petit, avec un tout petit prix. Un tout petit smartphone comme ça. Allô ? Avec une marque que vous ne connaissez certainement pas, mais dont Raphaël Grably viendra tout nous dire, c'est Oppo. Ah oui. La marque du La marque s'appelle Oppo. Qu'est-ce que je peux y faire ? Bah non, pas du tout. C'est comme ça. Et oui. Voilà. En général, c'est ce qu'on dit aux enfants, non ? Allez. Non, je ne le fais pas, ça ne sert à rien. Ouais, non, tu ne le fais pas, C'est pas bon. Voilà. Et ben voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir y aller maintenant, non ? Mais voilà, c'est 01 Live, vous nous suivez en direct sur 01net TV, YouTube, Dailymotion, et c'est parti. Et comme nous sommes en direct, bien sûr, vous pouvez réagir, poser vos questions, nous dire ce que vous pensez des sujets qu'on évoque avec le hashtag 01Live sur Twitter. Mm-hmm. Vous posez votre petite question, vous rajoutez le hashtag 01Live et automatiquement, on réceptionne tout ça. Et puis aussi notre question 01Net Orange de ce soir, Jérôme. Ah, c'est complètement interactif, 01Live Hebdo. Complètement. Donc vous pouvez voter la question 01Live Orange. Eh bien, c'est tout simplement à propos d'Internet dans le train dont on va parler dans un instant. Qu'en pensez-vous ? Selon vous, est-ce que c'est indispensable ou au contraire totalement inutile d'avoir une connexion Internet ? Alors, quand on dit Internet dans le train, c'est-à-dire que ça fonctionne du début à la fin, hein, quand vous quittez la gare jusqu'au moment où vous entrez dans l'autre gare. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Hein ? C'est vrai. J'aime bien être précis. Mais alors moi, tu sais quoi, je suis très rétrograde comme garçon. Je trouve que c'est inutile d'avoir du Wi-Fi dans le train. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. J'adore ça. J'adorerais ça. Je rêverais d'avoir ça. Bah oui, la question, c'est pas le Wi-Fi, c'est Internet. C'est Wi-Fi, 4G, 4G, etc. Ce que vous voulez, hein, Li-Fi. Li-Fi. Ah ouais, toi t'as pas préparé un petit reportage sur le Li-Fi qui va bientôt arriver, hein ? Le Li-Fi, c'est ma passion. Sur 01net TV lundi. Mais ben voilà. Et bien voilà, donc n'hésitez pas, vous votez sur 01net.com ou sur 01nettv.com, on fera un point sur cette question 01net Orange tout à l'heure. Amélie Charnet est avec nous, bonjour Amélie. Bonjour. Bonsoir Amélie. Amélie, vous le savez, je le disais tout à l'heure, teste toujours le Wi-Fi ou la 4G dans les transports. Que ce soit elle fait plein d'autres choses intéressantes. Dans sa voiture, dans les avions, récemment avec un reportage qu'on vous invite à voir, puisque Air France est en train de plus que tester en fait le Wi-Fi dans les avions. Hein. Et là maintenant, on va s'intéresser au TGV. Et c'est quand même dingue de se dire qu'on n'a pas encore finalement Internet dans les TGV. Hein. Mais ça risque peut-être d'arriver, Amélie. Ah, on l'a un petit peu, puisque Orange a annoncé hier qu'on avait la 4G sur la ligne Paris-Lyon. Voilà, c'est le premier opérateur à annoncer ça, en continu évidemment, mais sauf dans les tunnels qui sont quand même un petit peu durs à couvrir. D'accord. Donc en gros, si vous allez à Paris, si vous faites Paris-Marseille, dépêchez-vous vite d'envoyer un mail quand vous arrivez à Lyon, parce qu'après ça ne marche plus. C'est ça. C'est ça. Alors, quand même, ils ont annoncé que dans les mois qui viennent, Paris-Lille serait également couvert et Lyon-Marseille. D'accord. Alors comment ça marche, Amélie, tout ça ?
Alors, en fait, il a fallu quand même installer des antennes supplémentaires, déjà. Donc, environ 200 antennes le long des voies, le plus près possible des voies, ce qui n'était pas facile à installer. Ensuite, c'est assez compliqué. Orange est assez fier quand même d'avoir réussi cette petite prouesse. Remercions Florian quand même qui nous a pondu ce graphisme superbe là, avec un petit schéma où on comprend tout. Voilà. Alors, donc en fait, il faut savoir que la particularité du TGV, comme tout le monde le sait, c'est d'aller très vite. Et le problème, justement, c'est qu'il y a des pointes à 320 km/h. Et donc, ils ont une métaphore pour ça, c'est que c'est un peu comme si c'était une course de relais et que le relais devait être transmis toutes les 10 km à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même pas rien. Hein. Donc, il fallait installer des antennes dans ces zones à 320 km/h qui soient calibrées, le plus proche possible les unes des autres et le plus proche possible de la voie. Et puis parce qu'en plus tout le monde arrive en même temps, c'est ça qui est terrible. Voilà, on et peut pendant avoir quelques secondes. Exactement, on non, peut avoir plus de 1000 personnes qui vont se connecter tout d'un coup alors que personne n'était connecté au réseau et dans un temps très court et sachant que le signal va s'affaiblir très très vite. Donc c'est une particularité. L'antenne, elle s'affole, là. Voilà, et en plus les TGV la structure du TGV fonctionne un peu comme une cage de Faraday. Donc en plus le signal n'est pas évident non plus à transmettre. Donc ça s'est résolu donc d'une partie au niveau logiciel avec des antennes supplémentaires, mais aussi, au niveau matériel avec des antennes supplémentaires, mais aussi au niveau logiciel, il fallait tout simplement calibrer, paramétrer le réseau spécifiquement dans ces zones. D'accord, donc vous ne l'avez pas encore testé. Hein, non. On va tester ça très bientôt, espérons-le. Donc il n'y a pas de Wi-Fi dans le train, c'est-à-dire que ça sera peut-être l'étape prochaine. Si, très vite, il va y en avoir très vite. D'accord. Normalement, c'est-à-dire sur que là, aujourd'hui, je fais Paris-Lyon avec mon téléphone, je suis abonné Orange, j'aurai de la 4G. Ça, c'est la promesse, c'est ce qui est nouveau. Ça, c'est déjà ce qui est nouveau. Ouais. Mais après, je m'installerai tranquillement dans mon TGV, je capterai un hotspot qui lui fonctionnera durant tout le trajet. Gratuitement, voilà. Donc gratuitement. Ça, c'est le projet de la SNCF. Voilà. Donc, en fait, la SNCF, tout bêtement, a lancé un appel d'offres et SFR et Orange ont répondu. Dans quelques jours, on va savoir quel est l'opérateur qui a été choisi. Mais toutes les lignes TGV vont être couvertes par le même opérateur. Donc, en fait, ça sera très simple, le système. Donc, la SNCF va utiliser les antennes 4G des opérateurs le long des voies. Ensuite, il y a des boîtiers sur la façade des trains qui vont transmettre le signal 4G à des boîtiers Wi-Fi qui sont à l'intérieur du train et il y aura des antennes disposées tout le long des wagons pour créer un réseau Wi-Fi gratuit. D'accord. Bon, et ça va arriver aussi très vite. Donc Paris-Lyon d'ici la fin de l'année et le reste des lignes courant 2017. Voilà. Alors le petit secret de Polichinelle, c'est que évidemment, on ne sait pas qui va fournir cette prestation technique à la SNCF. Voilà, donc le sachant truc qu'Orange a commencé à communiquer voilà. Sur Paris-Lyon. Donc, donc j'ai quand même appelé la SNCF. Donc l'un de leurs porte-parole m'a assuré que ce n'était pas fait du tout, que le mystère restait entier sur le nom de l'opérateur. Quel mystère, les amis. Du côté de SFR, SFR assure également continuer à disposer des antennes le long des voies et couvrir également peu à peu les lignes de TGV. Le mystère devrait être résolu d'ici 5 à 15 jours, m'attendent. Écoutez, vous reviendrez nous en parler. Ouais. Bon, alors là, on a parlé du TGV, Jérôme. Le métro, alors je sais que tu es un adepte du métro, tu prends souvent. Oui, absolument. C'est ma deuxième passion après Louis. C'est une espèce de train, mais sous terre. Ah bon ? Voilà. Tu rentres avec un ticket ou avec un badge, ça fait bip. Tu passes un portique. J'en ai entendu parler. Il paraît que ça fait tout Paris. En plus, c'est génial. Extraordinaire. Sauf que là, aujourd'hui, on arrive à peine à passer un coup de fil. Dans le réseau du métro. Alors moi j'ai la chance d'être usagée du RER A et de la ligne 1 qui sont les seules couvertes. Enfin les seules couvertes, c'est un bien grand mot. Elles ne sont pas du tout entièrement couvertes et c'est même une énorme déception puisque c'était vraiment la RATP mettait toujours en avant ces lignes-là en disant bon en 2015 ça sera totalement couvert. Donc aujourd'hui on est en 2016 bien avancé et Orange annonce tout juste commencer à couvrir la ligne 1. Et alors là c'est quand même la déception. Ouais. Donc on est très loin de pouvoir tenir le calendrier qui était annoncé au départ, qui a été repoussé plusieurs fois. Donc au départ, la RATP avait dit en 2016, l'ensemble des lignes parisiennes sera couverte. C'est pas le cas. Maintenant, on annonce le chiffre de l'année de 2017, mais je pense que ça sera pas tenu. D'accord.
Et alors, je peux dire un petit mot pourquoi ce retard ? C'est parce qu'en fait, c'est hyper dur d'accéder au tunnel. Évidemment, il faut attendre que le trafic cesse. Mm-hmm. Donc, c'est dans la nuit. Mais en plus, il faut accéder à des locaux d'installation. Et les opérateurs se plaignent quand même beaucoup de la RATP qui ne jouait pas forcément le jeu. Bah, disons que, est-ce que c'est pour des raisons de maintenance ? J'en sais rien. Mais en tout cas, les opérateurs n'arrivent pas à accéder tout bêtement physiquement au site. Bizarre, quoi. Voilà. Alors, il paraîtrait aussi que les installations du métro sont tellement vieilles qu'il est encore tout plus à fait compliqué d'installer. C'est ça. Et puis c'est des tunnels. Des racks de serveurs pour avoir de la 4G. Exactement. Alors franchement, sur un train, c'est quand même en extérieur, donc on peut installer des antennes sans interrompre le trafic. Et là, on est en plus dans une configuration où un tunnel, les antennes en fait risquent de créer des interférences entre elles. Donc c'est vraiment une problématique extrêmement compliquée. Oui, oui. Alors, ceci dit, ça avance beaucoup sur les métros de province. Donc, apparemment, Orange annonce couvrir le métro de Toulouse d'ici peu. D'accord. Bon, le métro de Toulouse qui ne sert pas grand-chose pour aller Porte de la Chapelle, par exemple. Non, ça, mais enfin, quand on habite Toulouse, il sert à quelque chose. Ça, c'est clair, c'est certain. Voilà, Amélie. De Parigot. Tête de veau. Dernière petite chose, on a parlé donc du Wi-Fi dans les trains et de la 4G dans les métros. On avait aussi, il y a une nouveauté qui est arrivée cette semaine, c'est la Poste qui a communiqué, alors on reste toujours dans le Wi-Fi les amis, sur la volonté d'offrir du Wi-Fi à tous les usagers de la Poste, en tout cas toutes les personnes qui rentreraient dans un bureau de Poste. Tout à fait, donc là il va y avoir 200 premiers bureaux qui vont être couverts en Wi-Fi, ensuite ils vont passer, si c'est concluant, à 500 bureaux, et en fait, 750, et a priori tout le réseau devrait être couvert, je pense, en fait, sur le territoire français. D'accord. Juste une petite question dans les trains. Alors c'est bien quand on est abonné Orange, mais les autres opérateurs, on a une idée ou on ne sait pas du tout ? Alors donc pour ce qui est du Wi-Fi dans le train, de toute façon, alors, c'était Wi-Fi, un appel d'offres. Ce sera pour tout le monde. Voilà, ce sera pour tout le monde. Mais la 4G. Alors la 4G, tous les opérateurs sont libres d'installer des antennes s'ils le veulent. Et je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'à chaque fois on dit le Wi-Fi est gratuit, mais c'est jamais totalement gratuit quand même. C'est-à-dire que gratuit, c'est nous le produit. Bon, c'est ça l'utilisateur va être obligé de rentrer son adresse email et on peut penser qu'il va recevoir de la pub ciblée. Ouais. Alors à chaque fois il faudra demander son consentement, mais quelqu'un qui veut absolument avoir accès à Internet, il va regarder à mon avis rapidement les conditions d'utilisation, il va donner son adresse email. Et probablement que ça va alimenter toute une data aussi et qui va recevoir des publicités ciblées, j'imagine. Est-ce que ce ne sera pas un moyen de justifier des augmentations de prix de billets de train aussi et des choses comme ça? C'est pas présenté comme ça. Une question qu'on a eue, c'est de Caribou qui nous dit le Wi-Fi gratuit dans le TGV après l'augmentation du prix des billets. C'est vrai qu'on peut peut-être imaginer que voilà, ça sera un service qui sera intégré dans une petite augmentation du prix du billet de TGV. Une manière de faire passer la pilule. Voilà, peut-être. Même si ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et j'ai quand même une petite nouvelle sympathique pour ceux qui prennent le RER en Île-de-France. En fait, il y a 6 mois, la SNCF avait signé une convention avec l'ARCEP pour faire un état des lieux. Mmh. Et il s'était aperçu que le réseau entier de la RATP n'était couvert qu'au tiers, avec vraiment un réseau de bonne qualité. D'accord. Et apparemment, il y aurait eu des progrès considérables de fait, tout simplement en changeant l'orientation des antennes. Donc maintenant, on sait que sur le RERB et le RERC, la couverture se serait vraiment améliorée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui fréquentent ces lignes-là. Ils pourront nous le dire. Amélie, comment faites-vous ? Vous avez toujours une antenne comme ça quand vous vous baladez dans les transports en commun. Si vous voyez donc Amélie avec une petite antenne, c'est qu'elle est en train de tester la 4G. J'ai pas envie d'avoir un cancer non plus. C'est qu'elle a investi dans les transports en commun. Très bien, merci beaucoup Amélie. Merci pour ce point détaillé, oui, en effet. Tiens, si on faisait un tour du côté de la question ZeroNet Orange justement. Internet dans le train, qu'en pensez-vous ? Eh bien, regardez, il est temps de s'y mettre. Hein. Ben oui, indispensable selon vous à 88%. Pas mal. Impressionnant, ouais, tout à fait. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous envie de télécharger toutes nos applis dans le train, via Wi-Fi, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Et puis même pour travailler, quand tu passes 3 heures dans le train... Entre un Paris-Marseille, ne pas avoir de connexion. Indispensable. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, rappelons-le, quand on prend l'Eurostar et qu'on traverse le tunnel sous la Manche, on a de la 4G.
Ouais. Ça marche. Après, il y a un petit côté aventure, c'est pas mal. Tu es là avec ton ordi, tu dis alors, ah, ça marche pas. C'est sympa, c'est frais. C'est tiens, pas mal. Avant d'aller plus loin, oui. avant de retrouver Delphine Sabatier, regarde ce qu'on vient de nous envoyer par Twitter. C'est Leaf qui nous a envoyé un joli dessin. Ouais, c'est pas mal. On a un auditeur qui nous envoie des petits dessins sur Twitter. C'est très rigolo. Ouais. Bon, on va pas vous faire tout le détail. Il paraît qu'on parle trop d'Apple. C'est ce qui est dit là. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut en pas tout cas, exagérer. C'est bien dessiné. Hein. Ouais, c'est super bien dessiné. François est pas très souriant, mais non, bon, c'est vrai. C'est quand même bien dessiné. Bravo. Ouais, bravo. Bravo, c'est Leaf hein, qui Merci. Nous a envoyé ça. Ouais. Il est 18h15, c'est 01 Live. Avant de retrouver le labo, eh bien, on accueille, comme chaque jeudi soir, avec beaucoup de plaisir, Delphine Sabatier pour son Zoom Actu. Et juste après Delphine, on retrouvera la télévision de nos rêves, Jérôme, qui coûte 10 000 euros. Incroyable. C'est une belle télé. David viendra nous la présenter tout à l'heure. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de Zéro Net. Voilà. Vous m'entendez, tout va bien. Ouais. Copie, okay. On t'entend très très Delphine, bien. Delphine, super. Tu pars d'un studio à l'autre. Elle passe d'un studio à l'autre dans la maison. Là. C'est ça. C'est tac ça. Tac tac. Vous étiez où il y a 30 secondes? Au troisième étage. J'ai monté deux étages à pied. Je suis un peu essoufflée. BFM Business. Eh oui. Bon, alors on va parler de la CNIL versus Facebook aujourd'hui. Ouais, oui. Alors Facebook, mais qu'est-ce qui se passe avec Facebook? Donc la CNIL a mis en demeure Facebook à propos de la protection des données personnelles. C'est quoi le problème exactement? Alors elle soulève quand même 10 manquements de Facebook, c'est pas rien. Je vais pas vous les énumérer les 10, je vous épargne ça. En gros, la publicité ciblée utilise des données personnelles, on le sait, mais qu'on signale nous-mêmes à Facebook, sauf que la CNIL estime qu'on n'est pas en transparence totale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément ce qui est utilisé à quel moment pour les publicités. Autre problème, il y a une combinaison de différentes informations que mélange Facebook pour en faire un profil très particulier. Et ça aussi, ça manque de consentement explicite de la part de l'internaute. Et puis, il y a des données sensibles qui sont recueillies par Facebook et on estime qu'on n'est pas suffisamment protégé sur ces données. Par exemple, on peut effectivement partager sa sensibilité politique. Pardon. Ouais. C'est quand même pas une information totalement anodine. Mmh. Ou encore, on peut de temps en temps être amené à fournir un dossier médical à Facebook quand on veut prouver qu'il y a une usurpation d'identité. Donc sur ces données, attention, la Commission nationale informatique et liberté française n'est pas d'accord sur la manière dont elles sont protégées par Facebook. Delphine, alors au-delà de ce problème, il y a aussi cette histoire de cookies qui nous suit partout. Qu'est-ce que c'est que ce problème de cookies? Alors ce cookie, il nous suit sur Facebook, mais il nous suit aussi partout. À l'extérieur, ouais, c'est-à-dire que il y a un système qui fait qu'à partir du moment où il y a un bouton j'aime sur les pages d'un site éditeur, comme par exemple sur 01net.com, 01net TV, eh bien vous êtes suivi. Pourquoi ça pose problème? Parce que finalement, ça vous suit même si vous n'êtes pas connecté à votre compte Facebook et même si vous n'êtes pas membre de Facebook. Alors là, quand même, c'est fort de café. C'est-à-dire que c'est la simple présence de ce bouton qui vous trace, hein, qui installe un fichier sur votre ordinateur ou sur votre smartphone pour envoyer des informations à Facebook. C'est vrai que c'est indiqué dans les règles, dans le règlement de Facebook, mais la CNIL estime, à juste titre, hein, je crois, que ceux qui ne sont pas membres de Facebook n'ont aucune raison d'aller lire le règlement et donc ne l'ont pas fait et donc ne sont pas au courant. Si on devait lire tous les règlements de tous les réseaux sociaux alors qu'on n'est pas membre... Moi, j'ai lu tous. Oui, oui, oui. Voilà, et les cookies, de manière générale, c'est une vraie préoccupation aujourd'hui. On en parle souvent. On ne sait pas, par exemple, sur les applications mobiles, ce qui se passe, quelles informations elles prélèvent. Il y a notamment des Canadiens qui avaient fait une étude et qui remarque que Facebook sur votre mobile va récupérer 5000 fois votre position géographique sur une durée de 2 semaines. Ouais. C'est peut-être un peu beaucoup. Ça dépend en plus ce qu'ils en font après. Alors, et puis il y a également ce problème qui est que Facebook est américain et donc les données sont envoyées aux États-Unis et là on touche à une notion juridique un peu compliquée qui s'appelle le safe harbor. Oui, je crois qu'on en avait déjà parlé ici. C'est un contrat qu'on avait passé entre l'Europe et les États-Unis et qui permettait aux services américains de rapatrier les données, les héberger sur leur sol, moyennant une protection garantie qui correspondait aux normes européennes. Bon, patatras, tout ça est tombé par terre. Il y a eu Snowden, il y a eu Mark Schrems. Bon, toutes ces affaires ont fait que ce safe harbor, c'est fini depuis le 2 février. Ouais, la France n'a plus confiance dans les États-Unis. Et bien pourtant, Facebook continue
à répondre aux règles du Safe Harbor qui est invalide, qui est illégal. Donc ouais. Il va falloir qu'ils se mettent à niveau légalement, quoi, qu'ils trouvent d'autres formes de contrats pour héberger nos données aux États-Unis. Globalement, je dirais que la CNIL, elle fait remarquer qu'il y a un problème de faiblesse de la protection. Il y a aussi des petites choses, par exemple sur les mots de passe. Sur Facebook, vous pouvez rentrer un mot de passe hyper basique. Eh bien ça, c'est pas très responsable pour un site aussi gigantesque. Ouais. Hein, c'est 20 millions d'utilisateurs en France. Voilà, 30, donc peut-être 30 maintenant. Un mot de passe fort, on sait ce que c'est, c'est 8 caractères, des symboles, des chiffres. Des étoiles, des dollars. Voilà, 1, 2, 3, pas 4, de 5, mots 6, en entier surtout, pas votre prénom, des choses un peu compliquées, trouver un acronyme, voilà, vous prenez une phrase et vous prenez que les premières lettres, c'est indispensable. Et je pense effectivement que tous les grands sites devraient imposer ce minimum de sécurité. Alors la suite c'est quoi Delphine? Qu'est-ce que risque Facebook avec cette histoire? Alors la CNIL lui a donné 3 mois, c'est une mise en demeure, donc ils ont 3 mois pour se mettre en conformité. S'ils n'y arrivent pas parce que c'est un peu court, c'est renouvelable, encore 3 mois. Au bout de 6 mois, c'est la sanction. Alors pour l'instant la sanction, ça va peut-être faire un petit peu rigoler parce que c'est 150 000 euros d'amende. Pour Facebook Pour Facebook c'est pas très grave. Sauf que ce qu'on sait c'est que la loi sur le numérique et aussi le nouveau règlement européen sur les données perso va augmenter le pouvoir de sanction de la CNIL. Ils vont aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, jusqu'à 20 millions d'euros, et là ça commence à faire mal. Et on voit que Google commence à se mettre en conformité sur pas mal de choses, le droit à l'oubli aujourd'hui. On pense que Facebook va aussi répondre assez rapidement. Ça va être intéressant de voir justement la riposte de Facebook. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, ils ont dit qu'ils allaient discuter, qu'ils allaient étudier le problème. Ils ne peuvent plus faire autrement. Merci. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Directrice de la rédaction de 01net.com. 18h21, le labo, dans un instant, avec David Noguera et Raphaël Grabi qui nous rejoignent. Dans un instant, on reviendra sur notre question 01net Orange. On vous demande aujourd'hui si vous trouvez utile ou inutile d'avoir du Wi-Fi dans le train. Ouais. Et d'Internet plus précisément. N'hésitez pas à voter sur 01net.com. Ils nous ont rejoint, les ténors du labo 01net. Enfin, pas que du labo, puisque Raphaël est aussi à la rédaction. Et David aussi. David Noguera et Raphaël Grabi sont là. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, d'un côté, Raphaël a un téléphone pas cher. Et de l'autre, David a une télévision très chère. Très chère. On commence par quoi? C'est bien ça. Il est milieu de gamme, on va dire. Ah, milieu de gamme quand d'accord. même. D'accord. Allez, on commence par la télé. Allez, on commence par la télé. Vous avez déjà spoilé le prix. Moi, j'allais lancer un jeu concours, celui qui trouve l'emportait. Et là, vous avez déjà donné le prix. Non, rien ne va plus. Non, tout effectivement. Tout à l'heure, je l'ai vu au labo, je me suis arrêté. J'étais comme ça. Il avait un petit filet de bave. Exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, donc Panasonic, donc, on va pouvoir donner sa référence. Maintenant qu'on sait qu'elle coûte 10 000 euros, va falloir justement la retenir, cette référence, parce que c'est pas facile. TX65CZ950E. Rien que ça. Donc voilà, c'est un super télé. Viseur OLED courbé ultra HD avec des services connectés, une interface Firefox OS qui va super bien. Quelle taille, tu l'as dit? Donc 65 pouces. 65. Wow. Donc c'est juste gigantesque pardon. Donc forcément on l'a quand même testé avec. T'as vu le logo ultra HD 4K, excuse-moi je te coupe. Voilà. Ultra qui n'apparaît que quand on a une télé 4K et qu'on est connecté à Netflix. Alors on a effectivement mis du contenu Netflix qui avec la bonne connexion maison qu'on a nous permet quand même d'apprécier la qualité des téléviseurs ultra haute définition. Et c'est juste bluffant. C'est-à-dire qu'on avait au même moment un autre téléviseur Philips, alors qui va arriver dans le test aussi, va arriver rapidement en ligne sur 01net.com. Donc on avait un autre très beau 55 pouces, cette fois bien moins cher. Et donc on a cette belle image. Et là, on allume l'OLED. Et on se dit, mais pourquoi? Comment c'est possible? Pourquoi voilà, donc on peut dire que c'est le top du top. C'est énorme. Alors LG a présenté très très belles télé à 4-5 000 euros. Ouais. On était déjà sur de très très, très belles télé dont on a déjà parlé ici. Mais là vraiment, c'est entre la taille de l'image et le piqué, ce contraste infini. La luminosité, elle n'est jamais exceptionnelle sur ce genre de téléviseur. Elle est juste suffisante. Et surtout, c'est le taux de contraste qui permet de déboucher habituellement des zones qu'on a du mal à percevoir sur de mauvais téléviseurs. Là, on a des scènes qui nous servent de référence lors des tests qui sont assez difficiles à reproduire parce que, effectivement, lorsqu'on regarde des dessins animés, finalement, c'est assez simple parce que c'est une image de synthèse, c'est très clinquant. Et lorsqu'on passe sur des scènes un petit peu plus compliquées, c'est là qu'on apprécie toutes les performances de l'OLED. Donc, une luminosité assez moyenne de 149 candela par mètre carré, mais une image quand même assez sublime.
mais 10 000 euros et surtout en fait ce qui justifie au fait aussi le prix, c'est les deux télécommandes. On a une télécommande classique, vraiment très bien faite, hein, une espèce de finition métal, on sent qu'on a de la qualité en main, et cette deuxième télécommande avec le pointeur, le système gyroscopique pour aller piloter ces services connectés. Et donc elle est courbe. Hein, et donc elle est courbée, ouais. et finalement ça va, en l'occurrence ouais. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ah ouais, voilà. Tiens, sur cette taille d'écran, 65 pouces, oui, peut-être ça commence à être. Ouais, parce qu'on ne se rend pas trop compte, là on n'a pas forcément l'échelle quand on regarde la télé comme ça, mais autant vous dire que quand on est devant, c'est immense. Moi le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est l'aspect connectivité de cette télé. Alors bien sûr elle est connectée, machin, mais bon, le magasin d'app c'est assez pauvre. C'est le problème pour Et c'est vrai que c'est voilà, Panasonic n'est pas le meilleur en termes d'interface de télévision connectée. C'est peut-être ça qu'on peut reprocher peut-être. Voilà. Ça reste assez fluide, mais il y a ce market store là qui va falloir nous en proposer. Il n'y a pas beaucoup d'applications en fait. Elle est 3D. Elle est 3D et justement, voilà, donc on a toujours effectivement une légère baisse d'intensité lumineuse une fois qu'on a mis ces lunettes, passive, mais il y a une profondeur de champ quand même qui est OLED, incroyable. 4K 3D, ça fait tout. Vraiment, pour 10 000 euros en même temps, vaut mieux. Hein, parce que... Bon alors, David, tu nous en mets deux. Hein. C'est ça, pas de problème. Hein, on peut payer plus tard ou comment ça se passe? Cash, garantie portail. C'est rigolo, il y a Hesit qui nous dit sur Twitter, mais il y a vraiment des gens qui achètent une télé à 10 000 euros à part Bill Gates et Donald Trump. Mais oui. Bah je ne sais pas, mais je vous proposerai un sujet très bientôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a 10 000 euros, est-ce que finalement on achète un vidéoprojecteur Sony 4K à 10 000 euros ou est-ce qu'on achète une télé 4K? Donc à venir sur 01net.com. Ouais. Et puis 10 000 euros, là on est vraiment dans l'exception aujourd'hui, on trouve des télés. Voilà. Puis, bien sûr qu'il y a un marché pour ça, hein, les constructeurs le disent. C'est une finition, c'est vraiment, là on est vraiment sur un modèle très très joli. Et puis un modèle fin, mais le son est quand même pas mal. Donc voilà, donc on sent qu'il y a eu il y a une belle performance technique de chez Panasonic. Merci David. Raphaël. Bonsoir. Voilà, avec un téléphone qui coûte beaucoup moins cher, heureusement. Oui, il coûte 329 euros. Ah voilà, ça c'est mieux déjà. Combien on peut s'offrir de téléphone avec le prix de la Panasonic? Allez, David, tu as quelques secondes pour calculer. Beaucoup. Au moins 40, je pense. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il vaut ce téléphone pour 229 euros? Il est pas mal. Et quelle est cette marque aussi, Oppo? Alors, c'est une marque chinoise qui vaut quand même 50 millions de smartphones par an. Donc, Huawei, c'est 100 millions, donc c'est pas non plus complètement négligeable. Non. En fait, en France, on la connaît un peu pour ses appareils Blu-ray, ses lecteurs Blu-ray. Elle fait aussi des casques très, très haut de gamme qui valent 1000, 1500 euros. Donc, c'est pas une marque d'entrée de gamme, c'est une marque haut de gamme. Et en fait, elle est un petit peu liée à une autre marque que vous connaissez peut-être, c'est OnePlus. Oui. En fait, c'est un ancien de Oppo qui a fondé OnePlus. D'accord. Et il y a des rumeurs comme quoi Oppo serait le propriétaire caché de OnePlus. D'accord. Donc en fait, les smartphones se ressemblent un petit peu. Donc c'est pas du téléphone, on va dire, gamme. Non, alors celui-là vaut 229 euros. Par contre, elle fait des smartphones qui valent 4, 5, 600 euros. Donc pour des téléphones chinois, c'est quand même assez d'accord. élevé. Il a l'air bien fini en plus. Il est bien fini. Alors en fait, c'est un peu justement un mélange de OnePlus et de Xiaomi. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve des specs assez poussés. Par contre, niveau design, bon, il y a une petite inspiration Apple qu'on reconnaîtra. Alors celui-là, c'est un doré. Par contre, il y a aussi une version rose. Donc évidemment, il s'inspire clairement de l'iPhone 6S. Après, il est assez puissant, il a 3 Go de mémoire vive, donc c'est assez sympa pour un smartphone à ce prix-là. Il est plutôt bon en jeu vidéo, vraiment pour les usages du quotidien, il n'y a vraiment aucun problème. Et surtout, alors Oppo l'appelle Selfie Expert. Bon, c'est un peu à la mode en ce moment de jouer sur les super appareils pour les selfies. Honnêtement, c'est pas là-dessus qu'il est le meilleur. Par contre, il a un super appareil photo dorsal, on va dire, appareil photo principal, qui fait des très jolies photos. Franchement, c'est un de ses meilleurs de sa catégorie. Il n'a pas tellement de gros défauts en fait, donc c'est après il y a le test complet évidemment à lire sur zeronet.com, mais c'est vraiment un appareil qui nous a plu. On le trouve facilement en France? Alors il n'y a pas de boutique, vous le trouverez pas à la Fnac, vous le trouverez pas chez Darty, vous le trouverez sur amazon.fr. Il faut l'importer en kit, c'est ça? Non, il est vendu sur amazon.fr, donc ça vous le trouvez. Sinon il y a des importateurs, il y a Oppo qui a lancé un shop en France qui s'appelle pour l'Europe qui s'appelle Oppo Style, donc voilà, on peut le trouver en ligne. D'accord. Très bien. Très bien. 229 euros donc ce Oppo. Exactement. Parfait. Et oui, Oppo aime bien aussi faire des petites... Il est assez fin et Oppo aime bien battre des records. Donc elle a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le smartphone le plus fin du monde qui faisait 4,85 mm. Et puis elle fait aussi des smartphones avec des caméras rotatives. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul appareil photo. Là, ce qui permet pour le coup d'avoir des selfies donc avec l'appareil photo. Donc là, c'est assez sympa. Ouais. Moi, je vous propose un truc, c'est que pour se l'offrir, on n'a qu'à se cotiser. Donc comme ça, on rajoute Oppo et c'est réglé.
Oula. Voilà, ça c'est oula, fait. Oula, oula, alors moi je vais y aller. Hein, c'est fini. Bah, je vous laisse. 18h29, rien ne va plus. Mon Dieu, on touche le fond. Non. Excusez-moi. Bon, non, c'est pour faire. Comme ça. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël. Et okay. Pour faire oublier cette très mauvaise blague, regardez, on va revenir avec David. On va finir en beauté avec David qui nous a porté un overboard. Vous savez, c'est ce machin avec les roues sur les côtés. Allez, je le montre comme ça. Mais David s'est livré à une expérience. Il a ouvert l'overboard. Oh mon Dieu, mais David démonte tout chez lui. En fait, je l'ai ouvert parce que vous savez ce, ce qui était critique sur ces fameuses overboards, c'était la fameuse batterie qui prenait feu. C'est vrai. Donc de là, les constructeurs overboard ont commencé à dire « Mais moi j'ai une batterie LG, mais moi j'ai une batterie Samsung, donc tout va bien. Ouais. » Donc ça remettait quand même pas mal de choses en question. Et donc je vais le tourner à Pierre qui puisse nous montrer. Et donc je me suis dit bah, « Celui-ci, j'ai quand même demandé au constructeur. » Un peu d'électronique quand même. Et voilà, donc il y a un petit peu d'électronique. Sur la partie basse, il y a toute la partie carte mère avec le petit jeu de LED ici qui sert à mettre un petit peu la chose en lumière lorsqu'on roule. Et surtout, et ben voilà, on peut voir qu'effectivement, sur ce modèle Girofast, donc qui s'appelle Speed Balance, voilà, il y a bien une batterie LG. Donc ça veut dire que c'est de la bonne qualité. Donc c'est de la bonne qualité à 429€, 499 actuellement. Ah, ça va descendre à 429€. Donc on peut quand même trouver, parce que j'ai souvenir d'avoir dit sur ce plateau qu'il faut privilégier les modèles plutôt haut de gamme. Finalement, on peut trouver de bons produit à partir de 430€, et donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Et l'autre David, il faut faire quoi? Il faut démonter. Alors le problème est là, c'est qu'il faudra tout le overboard avant de lâcher. Excusez-moi, je vais avec mon tournevis. Le problème est là, c'est qu'il faudrait que ce soit clairement indiqué. Bon après c'est vrai qu'il y a toujours ce stamp CE pour savoir si réellement le produit est fiable. Bon peut-être éviter l'achat en ligne. Si c'est homologué communauté européenne, ça marche. Quoi. Normalement il n'y a pas de souci. Alors l'autre but de cette opération, c'était aussi de voir si finalement il était simple de remplacer cette batterie, parce que ça reste quand même un produit dans lequel on va investir. Hein. On espère qu'au bout de l'année, il va nous faire plusieurs années d'utilisation. Et là, pour l'ouvrir, ça m'a pris à peu près 5 minutes. D'accord. Donc plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'ai un peu regardé sur le net. Pour l'instant, on ne trouve pas vraiment de batterie en accessoire, mais pourquoi pas demain changer la batterie de son overboard aussi simplement que celle de son PC portable ou de son smartphone. Donc voilà, c'était le but de l'opération. C'est dingue comme ces appareils se sont très vite démocratisés. Finalement. Il y a encore un an, ça coûtait presque 1000€. Hein. Exactement. Et là, on en trouve à 429. Donc là, on a du bon produit. C'est impressionnant. Voilà, très bien, merci David. Voilà, vous rêviez de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un overboard, c'est fait. Et la semaine prochaine, David démontrera cette télé à 10 000€ pour nous montrer l'intérieur de cette télé OLED. Ça va être sympathique. Puis après, il attaquera les montres connectées. Voilà, c'est ça. On va tout démonter. Après, il va démonter Jérôme parce qu'il a des... Voilà, Car je suis un robot, comme vous le savez. C'est un truc en plastique, Jérôme. Exactement. Voilà. Bon, écoute, on fait un dernier mot sur notre petit sondage 01net Orange. Internet dans le train, qu'en pensez-vous? C'était le sondage 01net Orange du jour. Eh bien, vous êtes très favorable, toujours à 87%. Voilà, indispensable, 87%, logique, 13%. Continuez, vous pouvez voter sur 01net.com et 01nettv.com. 18h34, quelques petites minutes de retard pour ce 01 Live Hebdo. C'est terminé, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très vite, bien sûr. Merci à Florian Beaufreton, Pierre Thiolin et Jérôme Giliberto. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain. Salut à tous.